L'exposition Nice Carnaval Sportif est une exposition qui a été pensée en collaboration avec Annie Sidrault, historienne du carnaval. Annie Sidrault qui nous a donné ses archives l'année dernière, une quantité d'archives sur l'histoire du carnaval de Nice. Et en collectant ces documents, on s'est aperçu qu'il y avait des documents sur la thématique sportive. On est dans les Olympiades culturelles, bientôt l'ouverture des Jeux Olympiques, et donc on a souhaité faire cette exposition liant le sport et le carnaval. En tout, il y aura 4 éditions dédiées au sport dans l'histoire du carnaval, donc 1977, roi du stade olympique. On aura également en 1997, roi des sports. En 2007, roi de la grande mêlée, de la très grande mêlée. Et 2012, enfin, roi du sport, avec une édition dédiée à tous les sports. Dès la fin du 19e siècle, on a par exemple un tricycle, un char représentant un tricycle réalisé par le carnavalier Jarnac, un char qui fait 13 mètres de haut et qui va défiler sur la place Masséna. On a également au début du 20e siècle un char qui s'appelle le char Tout au sport, réalisé par le grand-père et l'oncle d'Annie Sidrault, un char où on a une star du tennis mise à l'honneur, Suzanne Lenglen, que vous voyez sur la carte postale. Et puis par la suite, on va voir apparaître le foot, le rugby, les sports d'hiver.